même pas à 5%. Y'a même pas quoi? Je suis même pas à 5% et j'ai à 8 heures de jeu déjà. Bah oui, non mais c'est du jeu de fou, ça l'a perdu. Ça l'a fait beaucoup de temps, hein. Ouais, Fabien, il y a 4 jours, il a fini, ouais, ça m'étonnerait. Fabien, il l'a fait, il l'a pas fait l'Origins, Fabien. Non, mais il disait, tu sais, en discutant, en 4 jours, je finis, oui. Non, bah si t'as que ça à faire pendant 4 jours, peut-être. Ouais, mais Mais je sais pas, et tu sais, encore. entre le sang et. Parce que si tu le fais à fond, tu peux pas le faire en 4 jours. Ah, si tu le fais à fond, t'en as à peu près pour 100, 120 heures. Hein, donc, ouais, t'en as pour au moins 5-6 jours faciles. Ouais. Et si tu veux platiner le Tu jeu, l'as fait rapidement, si tu veux platiner le jeu, t'en as au moins pour 8-9 jours. Hein. Ouais, c'est Et bien. si tu joues au moins 4 heures par jour minimum. Hein. Ouais, c'est sûr. Parce que là, moi, je te dis, je suis à 8 heures de jeu, je suis à qu'à 5% du jeu. Hein. Donc non. Mais Fabien il est mignon, c'est son style de jeu, mais. C'est son style de jeu, mais celui-là, moi je voulais lui prêter, il l'a jamais pris. Hein. Non, lui il voulait pas, et après ben là il aimerait bien. Mais bon, comme Dimitri, ça faisait la vie aussi. Au début il voulait pas. Alors du coup il est resté sur le placard là, pendant 6 mois. Personne ne jouait, maintenant que j'y rejoue, tout le monde s'intéresse dessus. Mais Fabien, il est têtu, question jeu. C'est pareil, je lui ai envoyé la Tomb Raider. Je lui ai dit, tiens, je lui ai dit, regarde, je t'ai envoyé Tomb Raider, tu vas pouvoir le faire. Oui, mais bon, bah, je lui ai dit, attends, je te l'ai envoyé, fais-le. Ouais, en plus, c'est gentil, il a de la moyer. Bah oui, bah toi, il te plaira, je pense, Marie-Pierre. C'est dans les styles que tu joues. Marie-Pierre, je lui avais acheté la Tomb Raider. Raider, elle avait joué, bon. Elle n'avait pas fini, mais elle avait joué. Mais en fait, après, quand je suis trop bloquée, Voilà, et le problème c'est j'arrête. qu'elle joue et dès qu'elle n'arrive pas à passer un niveau, elle arrête le Bah jeu. là, tu vas voir, tu as différents styles de difficultés et tu peux varier les difficultés. C'est-à-dire que, genre, tu peux, si tu veux, mettre des combats très difficiles et de la recherche très facile, ou à l'inverse, faire de la recherche très difficile pour bien chercher les tombeaux et tout, et du combat très facile pour éviter d'avoir trop de combats en fait. D'accord. Il est plutôt bien fait. Et après, il n'est pas trop long, pas trop court. C'est un Tomb Raider correct. Puis j'aime bien l'ambiance un peu. Ça tourne autour des Mayas. Il est sympa. Non, mais oui, ils sont pas mal les Tomb Raider, ils sont sympas aussi, franchement. Les derniers, ils sont très bien faits. Ils sont plutôt bien faits. Les premiers, les vieux étaient compliqués, mais. Il a joué Dimitri avec, je l'ai vu, pour connecter sur Tomb Raider. Ah, bah c'est bien du coup s'il l'a. Ah, je l'ai vu jouer et je sais qu'il était connecté, je l'ai pas vu, je sais pas combien de temps il a joué, mais je sais qu'il a vu. Alors, c'est peut-être Oriane, mais ça se trouve, qu'il l'a fait. Ah, peut-être. Je sais qu'Oriane, elle les aime bien. Elle avait fait le premier, le 2, je crois, ou juste le 2, je sais plus. Bon, après, il n'y a pas de date limite, hein. De toute façon, voilà, vous le faites quand vous avez envie de le faire, honnêtement. Non mais c'est des valeurs, on sait qu'on aime bien ce jeu, moi c'est vrai que Tomb Raider j'y ai joué quand même sur PS1, je peux te dire qu'est-ce que j'ai pu y jouer. C'est pas des jeux révolutionnaires, mais c'est des jeux qui se font bien, ils sont sympas. Je me rappelle à l'époque, il fallait qu'on achète Ah oui, le il ciel, on fallait achetait les les faire parce qu'il y avait des bouquins. trucs hein. Oh, trop compliqués. Hein. Il y a des trucs où il faut chercher, hein. Même dans celui-là, du coup, comme c'est un peu un monde ouvert, faut chercher dans tous les recoins et tout, mais c'est quand tu le mets dans un niveau de difficulté assez simple, ça va. Moi, je l'ai platiné, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en facile pour chercher toutes les petites conneries un peu partout dans le jeu, parce que sinon, c'est pas possible, tu te fais attaquer de tous les côtés. Et une fois que je l'ai fait, une fois que j'ai cherché toutes les petites conneries et que j'ai tout récupéré, je l'ai remis en difficile pour valider le jeu en fait. Parce qu'en difficile, il fait mal en difficile, c'est horrible. Hein. Tu prends deux coups de pistolet, c'est fini pour toi. Hein. Et puis en plus, il n'y a pas de sauvegarde entre les feux, donc si tu tombes bêtement sur une corniche, tu peux retourner 20 minutes avant, Ah quoi. oui, ouais, mais je me rappelle, t'avais galéré, toi, pour faire Ah une ouais. mission, si t'avais. Ouais, c'est horrible. Bon, mais bon, après.
Après, elle est obligée de le finir. Il y a déjà quand t'as fait 75% des jeux, bon, t'es amusé déjà. Ah bah c'est clair. C'est clair. Après, il y a des fois, voilà. Pas non plus chercher tout ça le pire, parce que moi je pense que les jeux finis, vraiment finis à 100%, j'aurais pas fini tant que ça. Non, mais moi non plus, mais là c'est que j'avais envie de le platiner et puis que j'avais le temps, donc je l'ai fait. Mais sinon, sinon je l'aurais pas fait à 100%. C'est des jeux qui sont hyper intéressants, mais ils sont trop contraignants. Faut chercher partout le moindre petit truc. C'est trop long et des fois c'est chiant, faut dire ce qui est. Hein. Ouais. C'est comme le Spider-Man que je vous ai prêté, c'est pareil, il faut chercher, il faut aller prendre des photos au fin fond de la ville, il faut aller dans des grottes, dans les métros, dans les machins, des fois c'est usant quoi. Oui. Et du coup ça. Le but pour avoir le platine, voilà, c'est un petit peu la rançon de la gloire. Oui, voilà, c'est ça. Donc on a été associés, je me rappelle, Marie-Pierre, elle m'avait aidé, elle était là, elle cherchait ça. Ah, moi j'adorais. Alors je l'avais fait en platine, Unity, c'est franchement, moi j'ai adoré Unity. Après, c'est vrai que bon. C'était vachement long, il y a des trucs qui étaient assez chiants à faire, mais bon, à l'arrivée, quand tu l'emplatines, waouh, c'est vraiment génial. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que je faisais les petits jouets, et moi, j'étais à côté, et j'essayais de trouver les trucs, tu vois. Oui. Et moi, j'aimais bien. Je vois tout à fait. Parce que quand tu dis mieux que moi. Là, avec celui-là, tu vas pouvoir le refaire, parce que du coup. Ils ont comparé à Origins, ils ont, comme ils ont été développés en même temps, ils ont modifié un petit peu 2-3 trucs, mais pas beaucoup de choses. Là, ce que je disais à Fred hier, celui-là, ils ont rajouté un mode de jeu où en fait tu peux choisir soit la version comme Origins, où en fait on te donne quelqu'un assassiné, quelque chose à aller chercher, on te donne tout de suite le point sur ta carte et tu y vas. Soit en fait tu as un mode, et là c'est fait exprès un peu plus pour, il a été travaillé pour cet Assassin's Creed là en Grèce. C'est qu'on te donne un objectif, mais en fait on te dit pas où il est. C'est à toi d'aller interroger les gens, de poser des questions, d'utiliser ton aigle pour essayer de trouver l'objectif en fait, et du coup d'utiliser les ressources que tu as autour de toi. Et du coup ça te force à aller voir aller visiter les sites archéologiques, machin, pour en apprendre plus et pour situer où se trouve ton objectif en fait. Donc pour les personnes qui aiment bien chercher, c'est sympa. Après, bon, moi je l'ai mis en mode direct parce que j'avais pas forcément envie de. C'est quand même très bien tourné, hein. C'est assez long quand tu fais un objectif qui doit durer habituellement 10 minutes. Là, faut vraiment interroger la population, lancer ton aigle, faire de la recherche. C'est très bien fait du coup, mais faut avoir du temps quoi. Parler à l'oracle de Delphes. Chasseur de primes à proximité. Niveau 22, je vais me faire défoncer. Je ne peux pas,
pour devenir quelque chose, il vaut mieux le faire soi-même. Tu as raison. Bon. Dans le requin, ton bateau. J'ai l'air d'un anatique pêcheur. C'est un anas. Ce n'était que des questions. Cela peut l'apprendre. Oh, ce n'est pas tard. Après mon affaire avec le rat, j'ai vécu votre passé. Le dans le requin, où est-il? Je crois pas vraiment que je suis encore ici. Je vais les retrouver. Oui, qui est le temps de requin. Je sais pas trop. Moi, je suis content, j'ai amené ma voiture au contrôle technique, elle a rien. Elle est soulagée déjà. Elle avait rien, t'as arrêté un module. Ouais, il m'a dit c'est rare d'avoir une voiture en si bon état alors que c'est un tout petit moteur et qu'elle a quand même un petit peu de kilomètres, quoi. J'étais content du coup. Bien que, voilà, aux gens qui sont un petit Renault, qui est très bon Renault. Voilà. Surtout les nouveaux contrôles techniques, je peux te dire qu'ils ont été durcis. Et que c'est plus les mêmes qu'avant. Ah mais grave, ça me stressait, j'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, il va me demander trop de trucs à réparer sur ma bagnole, ça va être une catastrophe. Puis en fait, pas du tout, le mec il m'a dit juste, vous ferez attention, il m'a dit, votre pneu arrière il commence à s'user, il est vraiment à la limite du témoin. Il me dit, mais ça, il me dit, on le met pas sur le contrôle technique, donc il me dit, pour moi, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est très bien. Comme ça, une bonne bagnole, elle a combien de kilomètres, comme vous dites ? Elle a 120 000, je crois. 120 000, 130 000, ouais, je sais plus. Dimitri, je lui ai vendu à Luna, il est passé, il a 165 000, il a rien du tout. Hein. Contrôle technique vierge. Hein. 165 000 km quand même. Hein. Non, je te dis des conneries, il a 177 000, pardon. Ah bah tu vois, alors imagine. Bah, tu vois comme quoi. Hein. Ah mais t'as une bonne bagnole, ça je te dis, c'est attention, les critères, elle a l'air bien, celle-là, ça allait bien. Si j'ai vu les critiques, elle est pas mal aussi. Le seul truc, c'est que. Après les consommations, les... Oui, non, mais après, je suis pas pressé, hein, comme je te disais, hein, si je mets 100 euros tous les mois pour la réparer et que je l'ai que dans un an, je m'en fous, en fait, c'est pas grave. Là, de toute façon, ma voiture, elle est repartie pour 2 ans avec le contrôle technique, donc, tu vois, autant faire le... Elle fera son temps, ma Modus. Ouais, mais tu sais, des fois, des bagnoles, quand tu l'entretiens, un moteur, ça passe pas comme ça, hein, c'est pas trop, hein. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est souvent l'extérieur de la voiture, l'intérieur... l'électronique, l'électrique meurt, mais le moteur, lui, est toujours là. Les moteurs sont quand même très... Ouais, je sais que j'ai eu quelques Renault, j'ai jamais été embêté par mes Renault. Hein. Bon, écoute, moi j'ai acheté des Renault neufs, j'ai toujours eu des Renault d'occasion, j'ai jamais eu de problème majeur, jamais. J'ai eu le Renault 15, Renault 5, Renault 25, Renault 11. Ah, Renault 25, moi j'adorais cette voiture. Je peux te dire, Romain, je le dis sans... Alors, je reconnais que des fois, sur certains trucs de qualité de plastique, ils sont un peu moins bons, mais les prix sont déjà, à la base, beaucoup moins chers que les voitures japonaises et allemandes, donc c'est gagnant à l'arrivée. Voilà. Mais, honnêtement, moi, j'ai jamais été emmerdé. Ah oui, non, mais moi, pareil, moi, mon père, il m'avait donné sa Renault 25 en fin de vie, puisqu'il allait... Moi j'ai toujours eu. Ouais, c'est juste ma Modus qui me coûtait cher en réparation par rapport aux autres Renault que j'ai eu, mais Renault j'ai jamais eu de problème. Hein. C'est des très bonnes voitures. Non. Mais t'as des gens qui savent entretenir les voitures, qui oui, bah oui. L'image, qui les maltraitent. Bien sûr. Après ils ont l'impression que c'est la marque qui vaut rien ou la voiture qui vaut rien. Des fois ils pourraient remettre en question sur mode de pilotage.
Ah ouais, mon Modus, quand j'ai récupéré, c'est ma grand-mère qui la conduisait. Donc elle la conduisait, si tu veux, elle n'était pas très bien conduite, bien qu'elle, pas, qu'elle conduisait mal, mais c'est vrai que du coup, elle était pas, elle a pas été rodée correctement et tout. Et quand je l'ai récupéré, j'ai eu un petit temps d'adaptation, mais après. Voilà, ça marche bien. Oh, ouais. 170 000 km, tu passes au contrôle Tokyo qui est vierge. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de voitures. Là, même sur les grosses berlines, des fois les Allemandes ou les Japonaises, tu as quand même des petits problèmes des fois. Oui, bah oui. Pas toujours, mais ça arrive aussi. Hein. Je vais me raser. Je vais faire le pain. Je vais chercher le pain. C'est génial, c'est bien fait. Là, tu peux aller au fond de la mer chercher les épaves de bateaux échoués pour piquer ce qu'ils ont dans les cales et tout. C'est très bien fait. Puis maintenant, comme tu as les batailles en haute mer, c'est-à-dire que si tu éjectes un ennemi de ton bateau en haute mer, tu as les requins, ils viennent le bouffer. D'accord. C'est marrant. T'as plein de choses sympas. J'ai mon prescripteur qui est là, c'est parfait ça.
Oh mince, j'ai mis feu à tout le campement. T'as toujours le cheval, tout ça? Ouais, tu as le cheval, les petits bateaux comme dans Origins, t'as les gros bateaux, les gros navires maintenant de Perse pour pouvoir faire la guerre maritime. Et puis les déplacements rapides quand tu débloques les trucs comme dans le... C'est vraiment les mêmes bases, hein. Y a pas grand chose qui change avec Origins, juste les combats sont mieux travaillés je trouve. En tout cas c'est beaucoup plus simple de combattre que dans Origins. Et puis après la map qui change, qui est beaucoup plus grosse que celle d'Origins, et puis du coup qui est, moi je trouve, beaucoup plus vallonnée et diversifiée en termes de dômes, parce que c'est pas que du désert ou que du sec. T'as de la montagne, de la neige, de la mer, de la forêt. Qu'est-ce qui change? Après ils ont gardé ce système aussi, là, les espèces de... Je sais plus quand il y a les pitaros, je crois, c'est ça, les casques rouges là, que tu as dans chaque région. Sauf que ça change, là c'est une espèce de police de mercenaires en fait. C'est-à-dire que quand tu vas voir, quand tu fais le jeu, tu peux faire n'importe ce que tu veux dans le jeu. En fait, tes choix auront des conséquences sur ton jeu. Ils ont rajouté des dialogues, plein de choses comme ça. Et maintenant, tu peux faire des choix dans le bien ou dans le mal. Tu t'arrives en plein milieu de la guerre entre les Spartiates et les Athéniens, donc tu peux décider de te battre pour le camp que tu veux à chaque fois en fait, et de foutre la merde dans l'autre. Et du coup si tu te retournes contre un autre camp en fait, ils font appel à ces mercenaires pour te liquider. Et t'as un système de niveau de recherche en fait, jusqu'à 5 casques rouges, et si tu augmentes dans le niveau de recherche sans payer ou tuer le prescripteur, bah du coup des fois t'as 5 mercenaires qui peuvent t'attaquer en même temps de haut niveau. Donc tu te fais un petit peu latter, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici?
Je peux t'offrir une place dans mon équipage. Je sais que ce n'est pas la même chose qu'un navire, mais tu auras une. Grand-mère sera toujours mieux de rester avec des vous. Marchez bon. Jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. Évidemment. Bien. Dis-moi, où est ton bateau? Navire. Il s'appelle l'adresse. Comme tu voudras, capitaine. Ça c'est réglé. Monsieur. Salut Rico. Salut. Bonjour. Le monsieur, il est dehors. Ah, il est parti, d'accord. Non, je ne sais pas ce qu'il fera. Il m'a filé la manette et puis il est parti. Se débrouille-toi avec ça. Voilà. Ça va la santé, Marie-Pierre? Mais écoute, hein, ça va, j'ai la crève, mais bon. Hein. À part ça, C'est pas si chiant d'être malade, ouais. Mais je suis partie à Bayonne, donc... Je suis pas un coup de froid. Ouais. Il fallait partir au Portugal, il faisait chaud. Bah écoute, on a été en Italie, j'ai pas chopé la crève, pourtant c'était au bord de l'eau, hein. On a été en Espagne, j'ai pas chopé la crève. Je vais à Bayonne, je chope la crève. Ouais. Ah mais c'est toujours comme ça de toute façon. Ah non, et puis là bien, hein. Je peux dire que... Aujourd'hui ça va un peu mieux, mais alors hier, je te dis pas. J'ai passé la nuit à tousser. Ouais, c'est en bord de mer, ça se trouve. Oui, mais bon, ouais, parce que le soir, on est allé se balader un petit peu au bord de l'eau, et puis voilà, quoi, il y avait du vent. Ouais.
c'est pareil. De toute façon, moi, à chaque fois que j'y vais, je chope la frère. Ouais, je vous dis de pas retourner. Il basque. Ouais. Chambono. On a eu très beau temps, nous. Ouais, mais ici aussi, hein, c'est beau. Après, c'est vrai que le soir et le matin, quand même, c'est un peu frais. Sérieuse là? Hypatia, la briseuse des Chines, la briseuse des Chines. Il n'avait pas fait les combats dans les arènes encore? Moi il y en a aussi dans le Odyssey, mais je les ai pas fait sur votre niveau. Je sais pas combien. Ouais, c'est dur. On va y aller par étapes. Les courses avec les chars aussi. Des petits, elles ont dû en faire un stop en veux-tu en voilà. Non, 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 il y a Rico qui est là. Ah, c'est le Fredo. C'est la guerre avec les tops, là. Il y a partout, là. Oh, là. La guerre avec les? Les tops, dans les jardins, là. Qu'est-ce que c'est, ouais, les tops? Les tops. C'est toute la merde, elle me prend des trous partout dans le terrain, ça massacre tout ça. Ouais, c'est des petites conneries. Ah, hein. J'ai compris les tocs, c'est les taupes. Ouais, non, les tocs. C'est le signe de taupe. Hein. Il est toqué, Fredo. Ah oui, ça c'est vrai. Vous pouvez les noyer, vous mettre de l'eau. Non, c'est pas vrai, parce qu'on a vu l'émission sur un spécialiste, un mec qui était un spécialiste. Mais les tops, contrairement à 33, c'est pas un bon fil. Et en même temps, ça s'est nagé. D'accord. Ouais. Oui, puis les galeries sont tellement longues que si tu mets des mots, il va t'en falloir. Non, mais même, oui. C'est nagé. C'était un gars qui travaillait au château de Versailles. Justement, il était. Oui. Lui qui s'occupait de jardin. Ouais, des jardins. Par contre, il y a des après, tu peux les enfumer aussi. Ouais, mais quand tu les enfumes, elles partent, mais une fois elles reviennent. Bon, là, j'en ai tué trois. Il y en a une quatrième. Pas mal, hein. Voilà, j'ai par rapport. Ouais. Ouais. Il va falloir que j'aille en acheter. Ouais.
Ben oui, mais il y en a eu cette année. Ah merde, le reste est alerté, bordel. Allez, tu vas rentrer là. Voilà. Et crotte. Dimitrios le délicat. Délicat. Le soldat qui se dépêche à coups de hache. C'est le mercenaire qui me cherche. Voilà. Ça va, les pubs, ma fille elle décroche. Bonjour, je suis marocaine et je vous appelle pour 3 questions. Oui, d'accord, sympa, merci. Pardon, c'est Dimitrios au nez délicat. Dimitrios quoi ? Au nez délicat. Ah, c'est après avec tes bombes là. Hein ? M'envoie des bombes de poison là.
Ah, moi je suis sur non, je suis sur le dernier, je suis pas sur sur l'Égypte, je suis sur celui en Grèce. Il peut être beau, hein. Il est très beau. Ouais. Je l'ai acheté là, il est à 51 € à l'Auclair. Ah oui, il est descendu. Ah mais non, il est sorti aujourd'hui. Ah oui, c'est aujourd'hui. Ça il est pas cher. Non mais tu sais celui-là, à 5 coups d'origine, ils avaient acheté le même prix. Hein. Alors, on avait acheté Intermarché avec Marie-Pierre. Dans les grandes surfaces, ils sont moins chers que sur le store où je... il y a du trop bannière. Hein. Ah oui. J'avais 50 balles, bon ça va, ça vaut le coup. Hein. Après, voilà, s'il plaît, ben, les factures, on verra, c'est dans leur bien. Non. C'est nous qui allons dans la chaîne du coup. C'était vrai Jackie Chan les mercenaires, c'est un truc de fou ça, ils font des sauts, tu sais pas d'où ils sortent. Arrête de fuir, toi. Thank you.
Oh, ça le part. Place pour me battre là, c'est chiant. Ah, il y a un chasseur de primes forcément à proximité. Alors,
Toi, t'avais du mal, Rico, avec les efforts à le tuer, là. Ah oui, il y avait un bug. Il se régénérait. Ah ouais. Ah, peut-être que c'est normal, je sais pas, non? Non, parce que les autres étaient pas pareils. Non, puis à la fin, bah, ça l'a pas fait. Ah ouais. Il y a prenez de la santé. Je suis foiré. Je vais pas le finir. Ok. Ça c'est fait. Il me reste quoi? Il a réussi à le tuer. Ouais, il est fort, hein. Il y en a qui est fort. Hein. Donc, du coup, j'ai fait un voyage rapide, là. De quoi? Non, je viens de penser, je me disais quelque part, mais je me dis qu'il y avait peut-être un voyage rapide. Ben oui, il y avait un voyage rapide. Je pense que c'est... Ça continue du tout. Je fais le bateau, je me tape 1,5 km en bateau, là, alors que j'avais un voyage rapide, tu sais, pour aller au bois. Téléportation rapide. Ouais. Il faut les prendre, ça. Bah oui, parce que là j'ai perdu le temps et j'ai pas fait gaffe. On s'est foutu débloquer dans les villes. Ouais. Donc, je voudrais que je te donne de l'argent. Oui, l'argent, tu te grasses.
tête de bourré. Tiens, prends, prends. 6. Chasseur de primes vous traque. D'accord, écoute. Y a pas de vendeur de d'embellissement, d'embellisseur de bateau là. Le bug, ça ne pas. On ne pas du tout en voix. Dommage.
L'homme est mort. Celle-ci ne te mènera pas pour moi. Mais une zone autre à bord. Rejoins-nous. On cherche quelqu'un comme toi. Il y aura toujours ta place à bord si tu changes d'avis. Ah, il y a une belle été là. Là, il y a une belle été. C'est long. Hein? C'est pas très long, ça. C'est très long. Il y a un droit de pouvoir. J'ai une licorne, j'avais oublié. Licorne. Rico. Ah, tu es au boulot, mais bon courage. Ouais, je suis une vêtue. Ouais. Bon cours. Ben, merci, bisous à vous. Bonne journée. Bye bye. Bye. Les jaunes, elles sont pas terribles, hein. C'est quoi, c'est des outils, c'est pas mal, ça aussi. Ça, ce sont des légendaires, ce sont des jaunes. Les jaunes, c'est des légendaires, ouais. Les violets, c'est des épiques. Le plus haut niveau, c'est les jaunes. D'accord, c'est les violets, oui. Non, ouais. Le plus haut niveau, c'est la jaune. La jaune. En fait, ce qui change, c'est que les bleus te donnent le droit à une caractéristique, les violets à deux caractéristiques, à deux bonus en fait, et les jaunes à trois bonus. Après, faut que tu les gardes tes jaunes, tu les démantèles pas ou tu les vends pas, parce qu'après tu peux aller dans un forgeron et demander à les. À les améliorer. Ouais.
Oh, il fait mal. Oh, il s'est redonné de la vie, l'enfoiré. Allez, magnifique. Je me fatigue, lui. Je revois ma mythologie grecque. Il y a des dieux, Artémis, je sais même plus quel dieu c'est. Pas encore, pourquoi?
Oui. Oui, oui. Mais j'arrive. Oui. J'arrive. Oh, comme je m'ai chargé. Oh, je vais vous faire voir les sangliers là.
Oh là là, foutu cochon. Allez, ok. Allez, moi j'y vais, moi je vais manger, je reviens après. Ouais, ok, tout à l'heure. À plus tard. Alors, bonne merci.